Bonsoir, chers web spectateurs, chers téléspectateurs d'Elvic TV Résistance. Nous sommes en direct ce soir avec le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Bonsoir, professeur Alou, bienvenue sur Elvic TV Résistance. Merci, monsieur. Bonsoir à vous aussi. Voilà, merci bien. Bienvenue à notre compagnie, professeur. Vous êtes le professeur Alou Kwame René. Vous êtes né le 16 avril 1960, selon votre biographie que j'ai ici à Abidjan. Vous êtes spécialiste des peuples Zakan, y compris les Baoulés, les Ébriers, les Abidji, les Adjoukrou, etc., etc. Vous allez nous en parler tout à l'heure, et à cet effet, vous avez écrit de nombreux ouvrages et articles sur le peuple Akan, et depuis juillet 2008, vous étiez maître de conférence, vous êtes passé professeur titulaire en 2013, et vous êtes marié et père de deux enfants. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir étudier les peuples Akan? On sait que les Akan sont quittés au Ghana, et venir s'installer en Côte d'Ivoire à la suite d'un conflit dans l'ancien royaume Ashanti. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser au peuple Akan? Est-ce parce que vous êtes vous-même un Akan ou vous avez vu que ce peuple renferme une pente très très importante de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest? Mais je vous remercie de me donner la parole. C'est simplement parce que, bon, vous savez, jusque-là, ceux qu'on appelle les africanistes, qui sont en fait des Européens, c'est surtout leurs écrits qu'on voyait sur l'Afrique. Les africanistes sont des Européens qui s'intéressent à l'histoire des Africains et qui ont écrit les premiers ouvrages. Et très souvent, ces africanistes-là, même quand ils travaillent sur un peuple précis, ils ne parlent pas un traître mot de la langue du peuple qui fait l'objet de leurs études. Alors, moi, j'ai décidé pour cela, puisqu'il fallait quand même cibler un groupe, j'ai décidé de travailler sur les Akan, mais dans un premier temps, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle l'Enzma, c'est-à-dire ce qu'on appelle ordinairement apollonien. Voilà, j'ai fait une thèse de troisième cycle sur l'Enzma. Voilà. Et puis ensuite, en 2002, bon, pour la thèse de troisième cycle, c'était en 1988, et puis la thèse d'État, maintenant je l'ai fait maintenant sur l'ensemble des peuples Akan. Voilà, sur l'ensemble des peuples Akan, tous les sous-groupes. Voilà, donc c'est ce qui m'a amené. Et je pense que c'est parce que j'avais la passion de travailler sur ce sujet-là que je l'ai fait. Voilà. Voilà. À la suite de vos recherches sur le peuple Akan, à quelle conclusion est-ce que vous êtes arrivé dans vos différentes thèses, thèse de troisième cycle et thèse d'État? Bon, il faut comprendre qu'en fait, toute l'humanité est partie de ce qu'on appelle la Rift Valley, ou bien la vallée du Nil et de l'Omo, qui correspond, disons, aux régions des grands lacs, c'est-à-dire le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, une partie du Tchad, le Soudan, le sud de l'Égypte. C'est toute cette zone-là, l'Éthiopie. Voilà. C'est de là que sont partis tous les êtres humains. Voilà, il faut comprendre ça. Maintenant, ils ont quitté à différentes périodes. Voilà. Parce que l'être humain paraît dans cette zone-là environ 3 millions d'années avant Jésus-Christ. Voilà, 3 millions d'années avant Jésus-Christ. Et donc, il y a toute la longue période du paléolithique qui, disons, correspond au moment où les êtres humains étaient des chasseurs-cueilleurs. Maintenant, à partir du 11e siècle avant Jésus-Christ, c'est le néolithique, c'est-à-dire c'est la période de l'agriculture. C'est vraiment avec cette période-là qu'on voit naître des agglomérations, des villages, des villes, etc. Donc, c'est ça. Et donc, en fait, quand on parle des Akans, c'est par rapport à leur culture. Voilà. Parce que les peuples, on peut les regrouper par rapport aux langues et puis à leur culture. Les Akans appartiennent au groupe linguistique qu'on appelle le groupe linguistique Kwa. Mais les Yoruba, les Adja, les Fon, tous ceux-là aussi appartiennent au groupe linguistique Kwa. Mais il faut comprendre que les Akans ont des ancêtres qui sont de différentes extractions. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Hein, ils sont de différentes extractions. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a des familles et des lignages, mais qui se retrouvent dans un espace, qui finissent par avoir une vie commune et puis qui finissent par former des peuples. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre.
Et donc, c'est tout ça qui m'a intéressé. Et vraiment, j'ai mis l'accent dans un premier temps sur les Akans. Le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Mais je me suis aussi intéressé à tous les peuples d'Afrique noire en général. Voilà. Et donc, si vos auditeurs, par exemple, ils vont sur ma chaîne YouTube, professeur Alou Kwame René, ils verront les vidéos que j'ai eu à faire justement sur les différents peuples d'Afrique, hein, sur les Sénoufos, hein, sur les Malinkés, etc. Donc, c'est cela. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est la passion de l'histoire, en fait. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Et vous avez parlé là du peuple Ashanti qui est le plus important dans l'ensemble Akan. Et nous avons aussi, par exemple, comme je le disais à l'instant, les Baoulés, les Adioukrou, les Ébriers, etc., qui ont émigré vers la Côte d'Ivoire. Au total, combien de peuples appartiennent, et on peut dire, à l'ensemble Akan? D'abord, combien de peuples? Voilà, quand on voit un peu, peut-être qu'au Ghana, il y a des personnes, des peuples qu'on ignore en Côte d'Ivoire, et vice-versa, les Ghanéens peut-être ignorent qu'il y a autant de peuples Akan qui vivent en Côte d'Ivoire. Et dans l'ensemble, combien de peuples Akan nous avons et où est-ce qu'ils sont situés exactement? Est-ce uniquement entre le Ghana et la Côte d'Ivoire ou au-delà? Vous avez parlé du groupe Kwa qui va jusqu'au Nigeria avec les Yoruba. Bon, on peut peut-être ne pas les compter comme des Akan, mais est-ce que les Akan ils se trouvent dans plusieurs autres pays et à combien on peut chiffrer leur nombre? Vraiment, vous me posez une colle, parce qu'ils sont si nombreux. Je ne les ai pas comptés. Ils sont très nombreux. Mais en général, leur espace va de la Volta noire, enfin, parce qu'une fois que ça descend jusqu'à ça va à l'océan, donc entre la Volta, hein, les plaines de la Volta où on a fait l'actuel barrage d'Akosombo, et puis le Bandama. Et puis il y a certains même qui sont allés légèrement à l'ouest du Bandama, comme les Baoulés Yaouré, les Baoulés Ayaou. Vous voyez? Donc, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Le problème, c'est que mes devanciers ont surtout travaillé sur les Akans de Côte d'Ivoire. Et les Ghanéens, les historiens ghanéens, ont travaillé surtout sur les Akans du Ghana. Mais ils n'ont pas fait la jonction des deux. Ce que moi, j'ai fait, c'est la jonction des deux. Parce que je me souviens, j'avais regardé le document d'un colloque entre les chercheurs Akan de Côte d'Ivoire et du Ghana, ça a eu lieu, je crois, en 1974 à Bondoukou. Voilà, quand je suis tombé sur le document, j'ai vu que vraiment il y avait beaucoup de manques parce que les uns et les autres n'avaient pas passé la frontière pour examiner l'ensemble des différents groupes Akan. Voilà, mais sinon, ils sont nombreux. Vraiment, ils sont nombreux. Si je veux les citer, on n'en sortira pas. Voilà, ils sont nombreux. Même au Togo, hein, ceux qu'on appelle ordinairement les Tokosi, qui sont les Anof, eux, ils sont partis de la région de Plikro. Ce sont des Anof. Voilà, ce sont des Anof. Donc, on les trouve non seulement dans l'actuelle Côte d'Ivoire, il faut préciser, dans l'actuelle République du Ghana, mais aussi dans l'actuel Togo. Mais seulement les Anof, ils se sont installés dans les plaines d'un fleuve qu'on appelle Oti, qui est quand même un peu au nord du Togo, qui est au nord du Togo. Voilà. Sinon, ils sont nombreux. Vraiment, ils sont nombreux. Voilà. Oui. Donc, professeur, on peut... Au niveau de la population, on peut les chiffrer à combien? Si on doit les chiffrer, je pense que c'est un groupement d'humains qui peut atteindre facilement 20 millions de personnes. Hein. 20 millions ça de peut personnes. Atteindre 20 millions donc de personnes. Combien oui. En Côte d'Ivoire? Les Ashanti à eux seuls. Combien? Oui, les Ashanti. 20 millions de personnes, oui. 20 millions de personnes. Les Ashanti à eux seuls font près de 2 500 000 personnes. Et les peuples qui vivent en Côte d'Ivoire, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, les Baoulés, les Ébriers, les autres, on peut chiffrer à combien les Baoulés, selon le dernier, peut-être, recensement? Est-ce qu'il y a d'abord un recensement par groupe ethnique ou par, on va dire, ensemble ethnique, ou c'est un recensement général qui ne fait pas de classification, par exemple? Bon, j'ai vu comme ça le dernier recensement. J'ai vu comme ça des données générales. Ce sont des données générales que j'ai vues. Voilà. Et puis aujourd'hui, mais M. Isaac, c'est beaucoup plus compliqué pour une raison très simple. Pourquoi? Parce qu'il y a un tel brassage des populations. Aujourd'hui, vous demandez à un enfant quelle est ton ethnie, il a du mal à le dire. Hein? Son père peut être aladien,
sa mère peut être ses nouveaux. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc c'est ça le problème. Voilà. Donc, mais sinon, en général, on parle des akans lagunaires, c'est-à-dire ceux qui sont le long du littoral lagunaire, comme les Betibéou, les Éotilés, les Tchamaou, les Ébriers, les Aladjans, les Abès de la région d'Agboville, qu'on trouve aussi dans la région de Ndoussi ou Moutoussi, les Avikam, les Odjoukrou, tous ceux-là, les Aïzi, tous ceux-là, ce sont des akans lagunaires. Maintenant, il y a les akans que moi j'appelle, disons, les akans récents, c'est-à-dire les Baoulés. Mais il faut comprendre que les Baoulés eux-mêmes, là, le peuple Baoulé s'est formé sur place en Côte d'Ivoire. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Expliquez-nous un peu plus en détail. Donc, l'histoire, bon, la légende nous dit, Abla Poku est venu du Ghana, et après les problèmes qu'ils ont eus pour la succession au royaume Ashanti. Donc, on nous dit que ces gens-là parlaient déjà le Baoulé. Donc, ils sont venus, le Baouli, c'est l'enfant qui a été donné en sacrifice dans la rivière pour que les hippopotames sortent de l'eau et qu'ils puissent traverser. Mais vous, vous nous dites, le peuple Baoulé n'existait pas. En réalité, ce sont des Ashanti et ils se sont formés sur place en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu cela? Je vais l'expliquer très simplement. En fait, parce que moi, j'ai eu les documents hollandais qui m'ont permis de bien suivre la chronologie. En octobre 1717, Osei Tutu est décédé. C'est lui le fondateur de la Confédération. Octobre 1717. Les documents hollandais sont très précis là-dessus. Vous voyez. Et quand il est décédé, il y a eu un problème pour sa succession. En réalité, celui qui lui a succédé, qu'on appelle Opoku Ware, était son petit-fils, parce que Opoku Ware est le fils de sa propre nièce. C'est le fils de sa propre nièce. Or, dans le système de succession des Akans, quand cela se fait en ligne matrilinéaire, c'est d'abord les frères, ceux qu'on appelle les Aniamans, ou Onuans en langue cuit. Ceux qui sont des frères, c'est-à-dire dont les sœurs sont des sœurs ou des cousines. Bon, le terme cousin n'existe pas chez les Akans. C'est les sœurs, vous voyez. Donc, or, Opoku Ware, lui, il est le fils à la nièce d'Osei Tutu. Or, selon le système, ce n'est pas lui qui devait hériter. Parce qu'en fait, quand un roi succède à un autre, c'est comme s'il hérite du roi précédent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Or, Opoku Ware, en fait, est petit-fils d'Osei Tutu. Mais les gens avaient constaté que Osei Tutu avait beaucoup d'affection pour lui. Voilà, parce que c'est Osei Tutu qui a donné sa propre nièce en mariage à un chef qui est aussi dans la région de Kumasi, un peuple qu'on appelle les Amakom. Voilà, d'ailleurs, le chef des Amakom à cette époque s'appelait Edou Pagny. Et donc, quand cet enfant est né, Osei Tutu avait beaucoup d'affection pour lui. Et donc, quand Osei Tutu est décédé, curieusement, certains membres de la cour qui ont décidé de choisir Opoku Ware comme successeur, et ceux qui ont refusé, ce sont ceux qui ont suivi justement la reine Abla Poku. Et quand ils ont suivi la reine Abla Poku, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus se réfugier en pays Agni. Maintenant, en pays Agni et Brossa qui se trouve dans l'actuel Ghana. Quand vous quittez la région d'Abouasso, hein, notamment vers Dadiesso, puis vous allez vers les Brossa, dont la capitale, au Ghana, on dit Anti, mais en langue Agni, ça se dit Andje. Donc Andje, c'est là qu'ils ont séjourné. Ils étaient des Ashanti, je précise. Mais c'est là qu'ils ont séjourné. Et en séjournant là, ils vont apprendre une langue qui est comme une variante de la langue Agni. Comment vous pouvez comprendre des gens qui sont des Ashanti? Et puis au final, en pays Baoulé, ils ne parlent pas l'Ashanti, mais ils parlent le Baoulé, qui est la même langue que la langue Agni. Il faut s'expliquer. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas Ashanti? Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas le Tui Ashanti? Mais ils parlent le Baoulé. C'est parce qu'ils ont séjourné en Ebrosa. Voilà. Ils sont restés en Ebrosa. Combien d'années, plus ou moins, selon les livres des africanistes? Ils sont restés en Ebrosa de 1717 à 1721. Ce n'est pas beaucoup d'années, il faut l'avouer. Ouais, 4 ans. 1717, 4 ans. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils étaient installés dans la zone nord. Moi, j'ai eu des traditions orales, hein, notamment dans la zone de Dadiesso, où c'était des groupes Ashanti. Quand ils sont venus attaquer les Brossa, ils sont restés là et puis ils ont fini par créer une principauté. Ils disent très bien que dans la région, nous avons rencontré les Atiers dont le chef s'appelait Obin Aka, et puis nous avons rencontré des Baoulé dont la reine s'appelait Tanwajo. Or, on sait que Tanwajo est la propre sœur de la reine Abla Poku. Donc, ils ont séjourné 4 ans,
Mais 4 ans, ça suffit largement pour apprendre une langue. Vous voyez? Tout à fait. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais quand ils viennent, ils comprennent toujours la chantilly. Ils comprennent toujours la chantilly. Mais finalement, c'est la langue baoulé qui a prédominé. C'est cela qu'il faut comprendre. Alors, voilà. Comment la langue baoulé est née? Bon, puisqu'ils séjournent en pays Agni, ils vont apprendre la langue en pays Brossa, ils vont apprendre la langue Agni. Donc, on peut dire qu'ils sont bilingues dans ce cas, puisqu'ils vont parler la chantilly et aussi la langue Agni. Et puis, ils émigrent toujours, et, on va dire, un peu plus au nord. Donc, ils arrivent, bon, ils vont traverser toute la Côte d'Ivoire, arriver au centre, peut-être qu'on on pourra en parler. Alors, pourquoi se fait-il qu'en arrivant, ils créent une autre langue qui se subdivise en 17 groupes, le peuple baoulé, on parle de 17 groupes. Comment se fait-il qu'ils vont oublier leur langue? Non, ils sont plus d'une trentaine. Ils sont plus d'une trentaine. Une trentaine. Ils sont plus d'une trentaine, oui. Voilà, les, en fait, les différents groupes. D'accord. Voilà, ils sont plus d'une trentaine de sous-groupes baoulés. En fait, quand ils arrivent, la langue Agni même, telle que vous la voyez, c'est une langue qui ne date pas de longtemps. Maintenant, il faut comprendre que la plupart des anciens, dans l'espace à Caen, les gens comprenaient la langue Cui, qui était la langue du tambour, la langue du langage tambouriné. Donc, la plupart des anciens comprenaient la langue Cui. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Voilà. Et donc, quand ils arrivent dans la zone, en fait, la langue Agni aussi ne date pas de longtemps. Parce que le roi Anouassman, qui est venu avec ses guerriers, ses nombreux guerriers, arrivés dans les Broussa, eux aussi, ils parlaient la langue Cui. Mais c'est une variante de la langue Cui qu'on appelle Ahakwane. Et ils ont trouvé sur place un peuple autochtone qu'on appelle Sohié. En fait, la langue Agni et ou la langue Baoulé, c'est la jonction de deux langues. Celle dont parlaient les Sohié et puis la langue Cui. C'est ça qui a donné la langue Agni Baoulé que vous voyez aujourd'hui. C'est pour ça que souvent dans cette langue-là, il y a deux façons de dire les choses ou bien trois façons de dire les choses. Par exemple, Medawase, c'est-à-dire je te remercie. Je vous remercie. Ça, c'est en langue Cui. Voilà, ça, c'est en langue Cui. Iomo, ça, c'est la langue des Sohié qui étaient dans la région quand Anouassman et puis ses groupes sont venus les trouver. Ou aussi en Baoulé, on dit Kwa. Djakwa, Mokwa. C'est une autre expression, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc, quand la reine Ablapoku séjourne dans cette région, mais il faut comprendre qu'il y avait différents sous-groupes à l'intérieur de ces Ashanti-là. Parce que les Ashanti formaient différentes confédérations. Enfin, différents royaumes qui se sont confédérés. C'est pour ça qu'on parle de la confédération Ashanti. C'est une union de plusieurs royaumes et chefferies. Donc, ils sont partis de différents royaumes et différentes chefferies. Ceux qui n'ont pas accepté que Opokouari soit roi parce que ce n'était pas conforme à la tradition, aux coutumes. Ils n'ont pas respecté la coutume, ils n'ont pas respecté la tradition. En principe, entre guillemets, c'est un cousin d'Osei Tutu qui devait être intronisé comme roi. Or, ça n'a pas été le cas. Hein? La coutume, la règle a été biaisée et on a pris, on a sauté les oncles, on a sauté les neveux et puis maintenant on en est venu maintenant au petit-fils. Parce que quand la génération des oncles s'achève quand eux tous ils décèdent, maintenant on passe maintenant à la génération des neveux. Vous voyez. Alors que dans le cas de Pokouare, non seulement la tradition n'a pas été respectée parce que on a sauté la génération des cousins ou bien des frères, on a sauté la génération des neveux, et puis maintenant on en vient maintenant au petit-fils qui est intronisé comme roi. Donc c'est parce que la coutume n'a pas été respectée. Quand on ne respecte pas les lois et la coutume, souvent ça crée des désordres. C'est ce qui s'est passé. Et quand ils sont venus. Voilà, oui. Oui. En fait, ils n'ont pas respecté la constitution. La constitution du peuple à Caen. Voilà, donc c'est ça. Ça n'a pas été respecté. Et c'est ainsi que ceux qui ont refusé que, je peux dire, les traditions et les coutumes des Ashanti, les traditions et les coutumes des Ashanti appellent ça Amamre. C'est ce qu'en Agni, on appelle Mla. Voilà, donc, c'est ceux-là qui sont venus en Ebrossa. Alors qu'il faut savoir que les Brossa même étaient déjà en guerre contre l'Ashanti depuis 1715. Donc, ils sont allés sur un territoire d'un peuple qui était en guerre contre leur nation, l'Ashanti. Pourtant, c'est là-bas qu'ils sont allés demander asile. Et ils se sont installés en 1717. Maintenant, les Ashanti n'ont pas dans un premier temps réagi. C'est à partir de 1721. Quand ils ont vaincu un peuple avec qui, contre qui ils étaient en guerre, qui était à l'est, ces deux peuples même d'ailleurs, les peuples Achim, Achim Kotoku et puis Achim Abouakwa.
Donc, c'est quand ils ont fini la guerre maintenant contre la team Kotoku et la team Abouakwa en 1721, qui sont venus massivement maintenant attaquer le Brossa où étaient réfugiés justement les Baoulé Assabou. Il faut comprendre que ceux qui sont venus à la reine Abouakwa, on les appelle Assabou, Baoulé Assabou, par rapport à d'autres. Voilà, c'est comme ça. Il y avait d'autres Assabou, groupes de Baoulé. Donc, c'est ce qui veut dire d'autres groupes de Baoulé. Étaient dans le territoire, oui. Voilà. Mais oui, il y avait d'autres qui étaient bien sur le territoire. Bon, voilà, je vais vous donner le nom de ça. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms? Il y a ceux qui sont venus dans ce qui va être l'espace Baoulé au XVIIe siècle. Vous voyez, par exemple, les Gomis de Gomizambo, ou bien de Gomikonde Yaokro, ou bien de Bofia, ils vous disent, nous, nos ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Et que nous étions là quand la reine Abouakwa est venue. Voilà. Donc, d'ailleurs, ceux de Bomizambo, ils disent que nous avons donné des éclaireurs à la reine Abouakwa pour l'accompagner dans le drap noir. C'est nous qui les avons guidés pour les accompagner dans le drap noir où la reine Abouakwa s'est installée. Donc, il y avait certaines populations qui étaient déjà sur place. Maintenant, ceux qu'on appelle les Alangira, comme les Agba de Dimbokro, eux aussi, ils étaient là. Mais eux, ils sont des Dankira, qui est un autre peuple akan qui a dominé l'espace akan au XVIIe siècle. Quand ils ont été vaincus justement par Osei Tutu et la Confédération Ashanti en 1701, eux aussi sont venus dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Ce sont ceux-là qu'on va appeler les Alangira. Vous voyez, beaucoup se sont installés dans la région de Bokanda. Voilà. Et puis, beaucoup se sont installés dans la région de Dimbokro. Bon, ceux de Dimbokro, on les appelait Agba. Vous voyez. Donc, c'était comme ça. Donc, il y avait des populations qui étaient déjà là, qui ont précédé la venue de la reine Abouakwa et des Assabou. C'est ce qui s'est passé. Il faut comprendre ça. Voilà. Alors, maintenant, professeur, dans la région... D'accord. Oui, allez-y, professeur. Dans la région, il y avait les Tagbana dans la région et puis les Gourou. Mais quand ils sont venus, ils ont fait la guerre aux Tagbana et aux Gourou. Et puis, ils ont fait des prisonniers qu'ils ont intégrés aux familles Baoulé. Ça, c'est aussi, il faut savoir cela. Voilà. Donc, par exemple, au niveau des Gourou, on va avoir les Yaoulé, par exemple. Et puis, voilà, des peuples comme ça qui sont à cheval entre les peuples Gourou, les Krou, et le peuple Baoulé, c'est-à-dire les Akans. Mais pour revenir un peu en arrière, les Gourou sont des Mandé oui. Sud. Des Mandé Sud, les sont d'accord. Des Mandé. Voilà. Maintenant, les Yaoulé, en fait, il y a Nana Yao Ware qui était Nalangira. C'est lui qui a traversé, je peux dire, la Maraoué qui allait de l'autre côté. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, il y avait des Gourous. Dans un premier temps, ils ne s'entendaient pas avec eux. Ils leur ont fait la guerre. D'ailleurs, ils les appelaient Kangabonou, c'est-à-dire les captifs de la brousse. Mais par la suite, il y a eu des brassages et c'est ça qui a donné le peuple Yaoulé que vous voyez. Donc, c'est un brassage de Baoulé à Langira et de Gourou, de Kouini. Voilà, c'est ça. Bon, aujourd'hui, le peuple Yaoulé, au niveau de Boiflé, on a aussi d'autres peuples au niveau de Tahabo, Léléblé, on a aussi, par exemple, c'est toujours un mélange. Voilà, je ne suis pas trop historien, mais je connais un peu quand même. Ceux de Tahabo, la situation est particulière. Ceux de Tahabo, il y avait les Akpatoufouais. Les Akpatoufouais sont de la même migration que les Gomis. Eux aussi disent qu'ils sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne, mais j'ai prouvé que c'est une migration que j'ai mise à jour, que j'ai appelée la migration Akpafou, Ga, Krobou, Adélé, Avatim. Ce sont des peuples qui ont quitté la basse vallée de la Volta parce qu'ils ont subi la domination des Akwamou. D'ailleurs, ce sont des Akwamou qui ont créé le royaume Abron, le royaume Bron-Djama, dans la région de Bondoukou. Voilà. Ce sont les ancêtres, les Akwamou. C'était ceux-là, quand leur royaume s'étendait, ils ont fait la guerre dans toute la région. Ils ont conquis la région d'Accra. Ils ont conquis la région des escarpements Krobou. Ah, vous avez des Krobou en Côte d'Ivoire. Hein, à Aurès Krobou. Mais il y a des Krobou au Ghana, notamment dans les escarpements Krobou. Ils ont conquis tous les peuples qui étaient dans la basse vallée de la Volta. Et ce sont ces conquêtes à Kwamou qui ont fait que des populations ont fui, sont venues dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Et dans le filon, certains disent que nous sommes descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Voilà. Or, c'est une migration qui a eu lieu. Voilà. Mais de peuples qui ont fui cette zone-là, que les Akwamou ont dominé vraiment par la force militaire. Voilà. Donc, c'est cela. Et ils se sont intégrés
à différentes ethnies. Ceux qui sont issus de cette migration que j'ai mise à jour, que j'ai appelée la migration Akpafou, Gakrobo, Adélé, Avatim, ils se sont intégrés à différentes ethnies. Ils se sont intégrés au peuple Baoulé, avec les Gbomi, les Akroufoué de Ndenou et de Ndebo, les Akpatoufoué, les Wamla, etc. Maintenant, ils se sont intégrés aussi, ils ont créé le peuple Krobou, Dorès Krobou, vous voyez. Et puis, ils se sont intégrés aussi aux Aké, notamment les Aké Nkadje, les Aké du sous-groupe Nkadje. Ils se sont intégrés aux Abé avec les Abé du sous-groupe Ngadje. Voilà, chez les Abé, on dit Ngadje, chez les Aké, on dit Nkadje. Donc, ils se sont fondus dans différents groupes ethniques. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Et puis, maintenant, les Swamlais, les Swamlais dont vous parlez. Les Swamlais, oui, de table. Les Swamlais ne sont pas des Baoulés à Sabou, ils ne sont pas venus à la reine Ablapoukou. Et c'était les guerriers Ashanti qui ont continué de pourchasser les Baoulés. Ah. Est-ce que vous me suivez? Très, très bien. Les Swamlais, là, de Tabou, là. Voilà, c'est des guerriers de Poukouaré. Qui ont traversé le Komoué, qui ont continué de pourchasser les Baoulés. Les Baoulés à Sabou. Et c'est ainsi alors que... Pourquoi ils vont s'installer en Côte d'Ivoire? Voilà. Pourquoi vont-ils s'installer et ils n'arrivent pas à terminer la mission que le roi Opokouaré leur confie Opokouaré. Et ils restent... Comment ça se passe, professeur? Nous sommes là autour des années 1730. Comment ça se passe? Expliquez-nous un peu. Parce qu'ils ont quitté la zone Ebrosse en 1721. Je pense qu'autour de 1725, ils commencent à créer des villages. Mais concernant les Swamlais, ils ont continué d'attaquer les Baoulés dans la région de Tiassalé, où s'est installée la reine Tanwadjo, la sœur de la reine Ablapoukou. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette fois-ci, c'est celle qui a succédé à la reine Ablapoukou, qu'on appelle Akwaboni. C'est elle qui a envoyé des guerriers, dirigés par son propre frère, qu'on appelle Adjeboni. Et c'est lui qui est venu faire la guerre aux Swamlais. Et quand il les a vaincus, il les a obligés à payer une amende en poudre d'or. C'est ce qui explique d'ailleurs le nom Tayabo. Ouais, c'est comme ça. Ta, c'est une unité de mesure de la poudre d'or chez les Akans. Et quand ils ont payé 100 mesures, donc ils ont dit Tayabo, sous les 100 mesures de poudre d'or. Et c'est comme ça qu'ils sont restés dans la région. Ils sont plus repartis en Ashanti. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y a certains qui sont restés même en Ebrosa, où ils ont créé la principauté de Dadiesso. Vous voyez. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, l'histoire est complexe. Si on ne regarde pas les différents éléments, on se perd et quelquefois, on attribue des faits qui concernent d'autres groupes à d'autres groupes. Encore. Donc, c'est comme ça. Voilà. Professeur, pour parler un peu, par exemple, des Agba et des autres, ceux qui disent dans leur histoire être descendus du ciel, mais je veux savoir, comment est-ce qu'ils s'intègrent au peuple Baoulé? Comment est-ce qu'ils arrivent à parler le Baoulé? Mais c'est très simple. Quand la reine Ablapoukou arrive, et ils sont des Ashanti, donc ils sont habitués à l'organisation en royaume. Donc c'est ainsi qu'ils vont créer un royaume. Dans un premier temps, c'était dans la zone de Ndranoa. C'est là que la reine Ablapoukou s'est installée. Elle s'est installée à Niamounou. D'ailleurs, Niamounou, ça veut dire « veiller sur la maman ». Donc, il y avait toute une chaîne de chefs guerriers. Chaque sous-groupe avait des guerriers. Les Zipri avaient leur chef. Et puis les guerriers, vous voyez, c'était comme ça. Les futurs Walebo aussi avaient leurs chefs et leurs guerriers. Les Ahali avaient leurs chefs et leurs guerriers. Donc, ils sont organisés en différents sous-groupes militaires, armés. Maintenant, vous avez parlé du sacrifice, etc. Bon, moi, je n'adhère pas à ça. Je respecte la légende, mais je n'adhère pas à ça. Mais vous imaginez combien de fois... Ouais, oui, je vais expliquer. Vous imaginez combien de cours d'eau la reine Ablapoukou a traversé avant d'arriver à Niamounou? D'abord, elle a traversé le fleuve Wafin. Hein? Elle a traversé le fleuve Bia. Le fleuve Bia qui passe dans la région d'Abouké, dans la région d'Abouké. Donc, il y a beaucoup de fleuves qu'elle a dû traverser. Chez les Akans, dans l'espace Akans, il y avait toujours des passeurs. Il y avait toujours des piroguiers le long des rivages. Donc, même quand vous arrivez la nuit, vous ailez le piroguier, le passeur, puis il vient vous chercher, puis vous payez la traversée en poudre d'or, parce que la poudre d'or était leur monnaie. C'est comme ça. Si par hasard, ils ne trouvent pas un piroguier, ils font des radeaux et puis ils passent. Et puis, si on veut sacrifier quelqu'un, vous pensez que c'est l'enfant de la reine qu'on va sacrifier? Chez les Akans, on ne sacrifie pas les nobles. Ou bien?
Tout à fait. Bon, ah, mais... non, il y a des esclaves, peut-être qu'en venant... Ce sont les esclaves qu'on sacrifie. Voilà, ce sont les captifs qu'on sacrifie. Même si elle-même, elle avait voulu le faire, les autres membres de la famille vont dire non, tu ne feras pas cela. Celui que tu as là, c'est notre futur roi. C'est un prince. On ne peut pas accepter ça. Voilà, c'est un prince, on ne peut pas accepter ça. Donc, vous voyez, bon, je sais que les Baoulés caressent beaucoup cette tradition, cette légende, mais ça ne correspond pas au fait de la coutume. Ouais. Chez les Akans, on ne sacrifie pas les nobles. Voilà. Professeur, vous nous donnez une référence des Hollandais. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre de ce livre qui au moins retrace de façon écrite l'histoire du royaume Akan à partir de 1715 où il parle de la mort de d'Osei Tutu. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir ce livre au moins pour la bibliographie de ceux qui nous suivent, voilà, ici sur Elvic TV. C'est très important parce qu'à partir de ce livre, on peut retracer l'histoire du peuple Akan qui est en Côte d'Ivoire. C'est la première fois, selon ce que vous nous dites, qu'il y a un récit qui explique plus ou moins ce qui est toujours raconté comme une légende. Voilà, de la reine qui va sortir parce que son frère a été tué au combat, dans cette lutte pour la royauté en pays Ashanti. Alors, elle va traverser tout le Ghana actuel, traverser toute la Côte d'Ivoire, jusqu'au centre de la Côte d'Ivoire, où elle va installer son royaume. En route, elle sacrifie son enfant et elle le donne en sacrifice dans le fleuve. On nous parle d'une zine. Et des hippopotames vont sortir. Alors, toutes ces personnes-là qui venaient avec elles, qui étaient pourchassées par les guerriers dont vous avez parlé tout à l'heure, voilà, vont pouvoir traverser sur le dos des hippopotames. C'est une légende. Mais la réalité, il y avait déjà des voyageurs à l'époque. Il y avait des marins qui parcouraient un peu plus le monde. Voilà, les passeurs d'abord. Voilà, des piroguiers. Mais surtout aussi, je veux dire, concernant l'histoire, il y avait des marins qui voyageaient. Donc, qui souvent laissait des écrits. Donc, vous avez pu retrouver un de ces écrits et des Hollandais qui voyageaient beaucoup à l'époque. Donc, est-ce qu'on peut avoir le nom de ce livre et puis de celui qui l'a écrit, voilà, dans l'histoire, pour comprendre un peu cette partie de l'histoire? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. En fait, il y avait ce qu'on appelle la Compagnie des Indes occidentales. Ouais. Donc, ils avaient des représentants commerciaux sur des comptoirs ou bien sur des forts ou dans des forts sur la côte. C'est eux qui faisaient régulièrement des rapports. Pourquoi? Parce que quand il n'y avait pas assez de marchands qui descendaient, ils s'informaient. Ouais. C'est que souvent, peut-être, il y avait un conflit à l'intérieur des terres. Tout à fait. Donc, c'est eux qui faisaient ces rapports. Donc, ce sont les documents. Les marchands hollandais, là. Mais c'était les marchands qui descendaient. Oui, mais les marchands qui descendaient, ils venaient de l'intérieur des terres. Ils étaient de plusieurs groupes ethniques. Il y avait des Ashanti, il y avait des Dankira, il y avait des Sahié, etc. Il y avait des Bonon. Donc, quand les marchands ne viennent pas assez sur la côte, les marchands, je veux dire les marchands africains, les marchands hollandais s'informent. Mais pourquoi est-ce que, bon, on ne voit plus assez de marchands arriver sur la côte pour commercer avec nous? Et donc, ils s'informaient. Donc, ils s'informaient de ce qui s'est passé à l'intérieur. Et donc, ils notifiaient ça. Ils faisaient des rapports à leur patron qui était en Hollande. Ouais. Maintenant, il y a un auteur qu'on appelle Albert Van Danzin. C'est lui qui a traduit ces documents qui sont en hollandais ancien. C'est lui qui a traduit ça en anglais et qui a fait un ouvrage qui est Dutch Document on the Trade on Gold Coast. Donc, c'est lui qui a traduit ces documents hollandais là. Vous voyez, c'est ça. Donc, ce sont des documents qui régulièrement viennent des rapports que faisaient les marchands hollandais qui étaient sur la côte. D'ailleurs, les Anglais aussi faisaient pareil de leur côté, là où ils avaient leur fort et leur comptoir. Voilà. Donc c'est de là que vient ce document. Le document de Van Danzin. Van Danzin. Van Danzin. Van Danzin. Il est écrit Dutch Document on the Trade of Gold Coast. Donc ce livre écrit en 1715. Non, lui il a traduit. Pas à l'époque. Lui il traduit, voilà. Mais il traduit les rapports qui viennent des comptoirs et qui sont réversés ici en Inde, des documents de la Compagnie des Indes orientales.
Donc, il situe la mort d'Ossé. Voilà, voilà. Il y a les Indes orientales et puis les Indes occidentales. Occidentales, d'accord. Donc, les deux parties, c'est toujours l'Inde actuelle qu'on connaît ou toute cette péninsule-là, c'est-à-dire le Ceylan et Bangladesh, ainsi de suite. Donc, c'était des gens qui allaient faire du commerce. Il faut les séparer. Monsieur Isaac, il faut les séparer. La compagnie hollandaise, il y avait la compagnie des Indes orientales qui commerçait en Indonésie, etc. Parce que l'Indonésie a été colonisée par les Hollandais. Maintenant, il y avait la compagnie des Indes occidentales. La partie occidentale, là, c'est elle qui commerçait dans le golfe de Guinée. Ah, d'accord. C'est la partie occidentale qui faisait le commerce dans le golfe de Guinée, c'est-à-dire avec l'Afrique. Mais est-ce qu'il y avait le commerce des esclaves? Juste une parenthèse. Est-ce qu'il faisait aussi le commerce des esclaves à cette époque aussi, cette compagnie des Indes occidentales? Le commerce des esclaves, c'est surtout accru au XVIIe siècle. Il faut comprendre ça. Oui. Le commerce des esclaves, le trafic des esclaves, la traite négrière, c'est surtout au XVIIe siècle que ça a pris de l'importance. En 1600. Avant, les périodes qui sont avant... parler d'abord du commerce des épices. Oui. Mais c'est eux qui ont appelé ça comme ça, hein. C'est-à-dire le piment, les différentes épices, les gingembre, tout ça là, ils achetaient ça. Après, maintenant, ils ont parlé du commerce de l'or. Ça encore, c'est une erreur, parce que c'était le commerce dont l'or était la monnaie. Parce qu'ils ne savaient pas que la poudre d'or que les Akans leur donnaient en lieu et place de leur marchandise, c'était la monnaie de ces... C'était leur monnaie. C'était leur monnaie. Et eux, ils ont parlé de commerce de l'or. Parce qu'eux, ils considéraient l'or comme une marchandise, alors que les Africains considéraient l'or comme leur monnaie. C'est comme ça. Et d'ailleurs, les Européens ne comprenaient pas le système de change avec les poudres d'or. Donc, c'était des Africains. Donc, ils prenaient des courtiers africains qui les aidaient à faire ce commerce-là, qu'ils payaient comme Mais comment eux, ils payaient? Ah, ce sont les courtiers africains qui payaient en or aux Africains qui envoyaient les marchandises. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore l'esclavage. Il y avait un commerce plus ou moins... on va dire un peu sain, entre Africains et Européens, qui sortaient des épices de l'intérieur du pays, ou l'intérieur, des côtes africaines, il n'y avait pas de pays, de l'intérieur, et qui revendaient aux marchands qui attendaient, et les bateaux repartaient en Europe. C'était quand même quelque chose de sain, d'assez présentable. Alors, au XVIe siècle, ils vont commencer le commerce des esclaves, ça devient brutal, au XVIIe siècle. Pardon, en 1600. Voilà, 1600 vers les Amériques. Et puis, en 1700, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, le roi Osei Tutu, comme vous l'avez dit, il va mourir. Il y a la guerre qui éclate et ces peuples akans-là vont commencer leur migration 4 années chez les Agni. Après, ils passent en Côte d'Ivoire. Voilà, je crois que beaucoup de personnes qui nous suivent Il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. Oui, professeur. Quand les Baoulés Assabou arrivent, ils viennent en même temps que les Agni. Donc, la migration Baoulé-Assabou est une migration qui a eu lieu au même moment que celle des Agni. Mais mes prédécesseurs et mes maîtres ont séparé les deux migrations en pensant que ce n'était pas la même migration. J'ai prouvé à travers ma thèse d'état que c'était la même migration. Les Agni et les Baoulés sont venus au même moment. Je veux dire les Baoulé-Assabou. Je ne parle pas de ceux qui étaient déjà là. Mais les Baoulé-Assabou puis les Agni sont venus au même moment. C'est pour ça que vous avez des sous-groupes qui sont aussi bien à l'intérieur des Agni que des Baoulés. Par exemple, si vous prenez les Ahali, ceux de Brobo, ce sont des Baoulés, mais ils sont Ahali. Mais Tchemlekro, ce sont des Agni, mais ils sont Ahali. Est-ce que vous voyez? Maintenant, les Nzipri et puis les Assiers, ils ont cheminé ensemble. C'était le même peuple, les Nzipri, Baoulé, et puis les Assiers, Agni. Ils ont cheminé ensemble. À l'arrivée, les Nzipri sont Baoulés, s'intègrent au royaume Baoulé, et puis les Assiers s'intègrent au royaume Agni. C'est la même chose aussi que les Baoulés Nanafoué. Eux et puis les Agni Ahua ou Ahuafoué. D'ailleurs, anciennement, les Nanafoué étaient appelés Ahuafoué. C'est par la suite qu'ils sont allés, ils ont quitté la région de Tiassalé pour aller dans la région de Tibissou qu'ils ont pris le nom de Nanafoué. Donc, les Baoulés Nanafoué et puis les Agni Ahuafoué ou Ahua, c'est le même peuple. L'un s'intègre au peuple Baoulé, les Nanafoué, l'autre s'intègre au peuple Agni, les Ahua ou Ahuafoué. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est ce que j'ai prouvé. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, il faut savoir qu'au sein des Baoulés, il y a ceux qui sont venus à la reine Abba Pokuno, mais il y a d'autres qui sont venus après. Alors, il y a d'autres qui étaient là, un groupe est venu avec la reine Abba Pokou, et un troisième groupe, une troisième vague migratoire est venue après la reine Pokou. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce groupe qui émigre après
Et à Ceux qui partir de sont quelle venus après, année? Oui. je vais expliquer. Ceux qui viennent après, ce sont les Haïtous. Ce qu'on appelle les Haïtous, là. Voilà, c'est eux qui viennent après. Mais eux, ils sont un peuple qui est juste au nord de l'espace Ashanti qu'on appelle Bornou. Et leur ancienne capitale, c'était surtout. Bon, ils avaient eu une première capitale qu'ils appellent Bonomanso. Mais leur ville qui était la plus connue, c'était Takimane. En fait, quand les Ashanti ont vaincu les Agni et les Baoulé en Ebro en 1721, ils sont allés attaquer maintenant le Bono en 1722. Et quand ils ont vaincu le Bono en 1722, c'est là que certains Bono, les futurs Baoulé Haïtous, ont quitté le Bono et puis sont venus en pays Baoulé. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous tracez une ligne, et ils disent qu'ils sont passés par Kong. Dans les traditions Haïtous, vous disent qu'ils sont passés par Kong. Ils sont passés par Kong, par la cité de Kong. Oui, parce que eux, ils sont venus du Bono. Quand vous tracez une ligne depuis Bondoukou, hein, vous allez vers Kong, et puis maintenant, c'est ensuite maintenant qu'ils sont descendus en pays Baoulé, où ils ont créé dans un premier temps les villages de Lomokankoro et puis Lomotingebo. Donc, 1721, 1722, vous voyez, c'est pratiquement une année seulement qui a séparé la migration des Assabous de celle des Haïtous. Oui, alors que eux, c'est un autre événement qui a fait qu'ils sont venus. Bien sûr, c'est toujours la guerre contre les Ashantis, mais c'est un autre événement. Maintenant, les derniers à venir, ce sont les Ngbans. Voilà. Les derniers à venir, ce sont les Ngbans. Mais les Ngbans, eux, ils sont venus autour de 1734. Eux, ils appartiennent à un peuple qu'on appelle les Ngbanya, qui sont encore au nord du Bono. Voilà. Eux, ils ont été attaqués en 1734 par les mêmes Ashantis. Et c'est comme ça qu'eux, ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, d'ailleurs, la reine Ablapoku était décédée. C'est la reine Akwaboni qu'ils ont trouvée. Et puis, donc, ils se sont installés beaucoup aussi en pays Anor, dans la région de Prikro. Voilà, leur roi même, leur chef s'appelait Ahura Kafou. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est eux qui ont créé les villages de Tiendjekro, etc. C'est comme ça. Ceux-là, ils sont venus beaucoup plus tard. Mais il y a eu un petit groupe, ce sont les Assandrés. Ceux qui ont créé le village des Assandrés. Voilà, ceux-là, c'était des missionnaires envoyés par le roi Pokouware qui étaient venus demander aux Baoulés de revenir en Ashanti. Demander aux Baoulés à Sabou de revenir en Ashanti. Et quand leur mission a échoué, parce que les Baoulés n'ont pas voulu revenir en Ashanti, c'est là qu'ils ont créé le village de Assandré. Bon, quand ils ont créé le village, ils continuent de parler la langue Ashanti. Donc les autres ont dit, oh, regardez ceux-là, ils continuent de parler la langue des Assandrés. Donc c'est comme ça que Assandré aussi a été créé. Vous voyez. Donc le peuple Baoulé, c'est la fusion de groupes akans aux origines diverses. Donc, parmi elles, il y a certains qui, à l'origine même, n'étaient pas akans. Par exemple, les Akroufouet, les Akpatifouet, les Wamla. Voilà. Beaucoup étaient des groupes Gouan. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les groupes Gouan qui sont proches des akans. Mais bon, qu'on distingue. Même les Ngban étaient aussi des Gouan. Ils font partie d'un groupe qu'on appelle les Gouan, qui ont une culture et puis une langue assez proche des akans, mais on les distingue. Voilà. Donc, il faut comprendre ça. Alors, professeur, comment est-ce que ces gens-là vont apprendre? Parce que il y a une chose, vous avez dit, les Baoulés, ils parlent Ashanti, ils s'intègrent aux Agni, il reste 4 années, donc ils vont ajouter des éléments de leur langue avant de continuer la migration à partir de 1725, lorsqu'ils sont attaqués par le royaume auquel ils appartenaient, c'est-à-dire le royaume bon, comment on va appeler ça? Le royaume Ashanti. Voilà. Donc, ils continuent leur migration avec les Agni. Eux aussi vont quitter parce qu'ils sont aussi attaqués par les Ashanti. Donc, tout le monde vient vers la Côte d'Ivoire. Mais on se rend compte qu'après, bon, les deux langues se ressemblent, mais les autres qui viennent après, qui sont sept Akans, mais qui ne parlent pas le Baoulé, comment est-ce qu'ils vont apprendre cette langue-là et s'intégrer au royaume? Est-ce qu'ils ont été forcés? Ou bien ils l'ont fait volontairement. Nous sommes en compagnie du professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Le professeur Alou Kwame nous explique la migration du peuple Akan vers la Côte d'Ivoire, les différents groupes Akan qui ont migré à partir de 1721. Depuis le Ghana actuel, la Gold Coast, vers la Côte d'Ivoire que nous connaissons, la Côte d'Ivoire actuelle que nous connaissons, qui à l'époque était un territoire
totalement hostile. Il n'y avait pas de présence, par exemple, de présence de colons. Il y avait peut-être des marchands, des commerçants, des comptoirs, mais pas de colons. Professeur, vous avez parlé, par exemple, des Agbas, des autres peuples qui disent être descendus du ciel, et les Akans, les Baoulés, pardon, et les Agnis qui sont venus ensemble. Et puis, ce que nous allons remarquer, c'est que ces peuples vont s'intégrer. Ceux qui étaient déjà là vont s'intégrer au Baoulé. Ceux qui étaient venus par la suite vont s'intégrer au Baoulé. Alors, ma question est de savoir pourquoi le peuple Agni, qui à peu près parle la même langue que le peuple Baoulé, ne s'intègre pas au groupe Akan, mais va rester un groupe à part et qui reste aux frontières actuelles de la Côte d'Ivoire et du Ghana. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Elle est très importante. En fait, ils vont créer deux entités politiques différentes. D'accord. Les Baoulés vont créer leur entité politique avec la reine Ablapoku. Dans un premier temps, elle était à Niamounou, mais il faut savoir que quand la reine Ablapoku est décédée, il va y avoir quelques petits affrontements entre les Baoulés. Mmh. Et c'est mmh. la suite de ça que la reine Akwaboni va prendre la tête du royaume, et elle va s'installer à Walebo, dans le village, en fait, dans son village qu'on appelait Akwabonikro. Maintenant, les Agnis du Moronou, eux aussi vont créer leur royaume avec le roi Dandipani. Voyez, donc, ils ont créé deux royaumes distincts. Parce qu'à l'origine, les Assabou étaient des Ashanti qui sont venus demander asile et qui sont venus en Ebroussa. Mais il va y avoir aussi, le problème c'est qu'il va y avoir un petit conflit entre les Agnis du Moronou et puis les Baoulés Assabou. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés dans leur migration ensemble, quand ils sont arrivés à Kondiaouka, je veux dire la colline au Perdri ou bien au Pentade, ils ont conclu encore une alliance. Ils ont conclu une alliance. Voilà. De vivre en bonne intelligence, en toute fraternité. Mais il s'est trouvé que quand ils ont commencé à s'installer, à créer les villages autour de 1725, certains groupes Agnis ont commencé à créer des villages à l'ouest du Nzi. Alors que le Nzi devait servir de frontière entre les deux royaumes. Les Agnis du Moronou ont commencé à créer des villages à l'ouest du Nzi. Les Baoulés leur ont dit non, vous ne pouvez pas traverser le Nzi. Le Nzi, c'est la frontière. Vous traversez le Nzi et puis vous venez créer des villages sur notre espace. Voilà, ils ne se sont pas entendus. Donc, il y a eu des affrontements. Et les Agnis ont perdu la guerre. Voilà. Ils ont perdu la guerre. En ce moment-là, c'était la reine Akwaboni, celle qui a succédé à la reine Ablapoku, qui a mobilisé tout le pays Baoulé. Et puis, ils ont vaincu les Agnis du Moronou. D'ailleurs, à la suite de cela, les Agnis du Moronou n'ont pas pu se reconstituer en un royaume unitaire. C'est comme ça que les différents sous-groupes sont devenus autonomes. Les Agnis Assiers ont leurs chefs, ils sont autonomes. Les Agnis Arua ont leurs chefs, notamment c'est eux qui sont dans la région de Dara, ils ont leurs chefs. Les Agnis Sawa, qui sont dans la région de Mbato, eux aussi, ils ont leurs chefs, ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Alors que les Agnis, là, ils ont le siège, l'un des sièges à Akan les plus anciens, qu'on appelle Namibia, qui est actuellement en Dolikro, dans le Ngatianou, dans la région de Bongwanou. Vous voyez? Mais ils ont été vaincus et ils n'ont pas pu reconstituer leur royaume. Je crois que c'est maintenant qu'ils essaient de le refaire. Je crois qu'ils ont désigné un roi maintenant du Moronou. Voilà. C'est comme ça. Même le siège qu'ils ont là, ça c'est l'un des sièges les plus anciens du monde à Akan. Même les Ashanti n'ont pas un siège ancien comme ça. Le siège de Nana Ebi, on l'appelle Nana Ebi. Parce qu'ils disent Nanibibia, ils croyaient que c'était le siège de Nana Anouassima. Or non. Nana Ebi, moi j'ai eu les traditions du Ghana. Au Ghana actuel des Ebroussa, Nana Ebi, il a été le premier roi. Ensuite, Nana Amouanda-Wanda, Anouassima a été le troisième. Donc, c'est sous Anouassima qu'ils ont été vaincus par les Ashanti et puis ils sont venus. D'ailleurs, Anouassima n'est pas venu du côté de la Côte d'Ivoire. Il est resté dans un campement qu'on appelle Djema. En ce moment, il était un vieil homme. Parce que j'ai eu les documents écrits d'un certain Français qu'on appelle le Sieur Tibierge. Il parle d'Anouassima. Voilà. Dans son document, il parle d'Anouassima qu'il appelle Anachma. Vous voyez. Donc, il faut chercher les documents pour pouvoir vraiment bien situer les choses. Or, le document de Sieur Tibierge, ça date de 1692. Donc, sans doute, c'est autour de 1690 que Anouassima vivait encore. Donc, il n'est pas un personnage aussi ancien. Alors que quand on écoute les traditions, Agnis, on fait comme si c'est un ancien, alors qu'il est de la période de la fin du XVIIe siècle. Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est ça. Je vous explique que la reine Akwaboni, c'est elle-même qui a organisé l'État Baoulé. Ça, il faut que les gens le sachent. Les gens parlent beaucoup de la reine Ablapoku, mais c'est la reine Akwaboni qui a organisé l'État Baoulé. C'est elle. C'est elle, Akwaboni. Vous avez parlé de 30 groupes.
30 sous-groupes Oui, baoulés. près d'une trentaine. Oui. Près d'une trentaine. Oui. Donc, à l'époque de Vous la croyez qu'il y a beaucoup migration, de groupes? Oui. Bon, j'en connais À l'époque de la environ migration, 17. à l'intérieur Oui. des Assabous, il y avait déjà des Oui. sous-groupes. À Tout l'intérieur à des fait. Assabous, il y avait déjà des sous-groupes. Maintenant, quand ils sont venus, les Alangira qu'ils ont trouvés aussi, il y avait des sous-groupes à l'intérieur. Maintenant, ceux qui ont précédé les Alangira, que j'ai appelé la migration Akpafuga, Krobo, Adélé, Avatine, comme les Wamala, les Akpatoufoué, les Akroufoué, eux aussi, ils avaient à l'intérieur différents sous-groupes. Vous entendez Akroufoué, comme Krobou. Parce que les Krobou, les Baoulés, les appellent Akroufoué. Donc, il y a certains qui sont partis du Krobou, d'Orès Krobou, et c'est eux qui ont créé le village de Ndenou et de Ndebo, on appelle les Akroufoué, dans la zone de Lolobo. Vous voyez? Donc, c'est ça l'effet. Et vous avez parlé là du royaume du Moronou. Voilà. Maintenant, on se rend compte qu'aujourd'hui, le royaume Agni le plus puissant, c'est peut-être Kindjabo. Bon, peut-être on me dira l'Indénié aussi. Et comment est-ce que ces groupes-là se sont formés? Est-ce qu'ils étaient déjà. Ils sont venus avec les Moronou ou ils étaient déjà là? C'est leur emplacement naturel puisque nous sommes à la frontière. Est-ce qu'ils étaient Oui. là ou ils sont venus avec et dans la migration entre le peuple Agni, c'est-à-dire les Moronou et puis les Assabou? Est-ce qu'ils sont venus avec J'ai eux compris. pour mieux comprendre? Je suis très content parce que votre question est très importante. Vous posez vraiment des questions. Depuis 1714 et 1715, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Osei Tutu avait envoyé des guerriers pour chasser les futurs Abrons qui étaient dans une région qu'on appelle la plaine d'Abessim. Et quand ils sont allés dans la région, ils ont fait la guerre, ils ont chassé les Abrons de la région. Mais le qui s'y trouvait, qu'on appelle le royaume de Wanti, ils ont pillé ce royaume-là, dont la capitale, Ahenokoko, était très riche, avait beaucoup de perles et d'or. Donc, quand ils ont eu beaucoup de perles et d'or, au lieu de retourner en Ashanti, ils sont venus demander asile au roi Anouassima et puis se sont installés en Ebrosa. Et quand le roi Osei Tutu a appris cela, donc il a envoyé une délégation dire au roi Anouassima, mais j'ai des déserteurs de mon armée qui sont dans ton royaume, je les veux. Alors lui, il a dit, mais je leur ai donné ma parole de les accueillir dans mon royaume. Je ne peux pas revenir sur ma parole. Vous voyez l'importance de la parole donnée. Tout à Nos fait. anciens, l'importance de la parole donnée. La parole est sacrée, on ne joue pas avec. Donc, il a dit, mais je ne peux pas te les livrer puisque j'ai accepté de les accueillir dans mon royaume. Et moi, je ne savais pas que c'était des déserteurs. Pour moi, c'était des gens qui étaient en souffrance, qui cherchaient un lieu de refuge. Vous voyez? Donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, Osei Tutu a dit, mais si tu ne peux pas me rendre ces déserteurs-là, ben moi, je te déclare la guerre. Et c'est comme ça qu'il y a eu la guerre en 1714-1715 entre l'Ashanti et l'Ebrosa déjà. Mais certains de mes devanciers ont cru que les Ashanti ont gagné la guerre. Oh non! Dans un premier temps, les Agni les ont repoussés. Et il y a eu une trêve. Là encore, j'ai eu le document. Il y a eu une trêve en 1716. D'ailleurs, le chef guerrier qui était à la tête des Ashanti, il y a son nom même dans le document. On l'appelle Amankwa Tiapani. Mais dans le document, Amankwa n'est pas bien écrit. On l'appelle Amankwa Tiapani. Il était le chef de Bantama. Voilà. Et qui écrit ce document? C'est encore les Ce sont rapports de les la Hollandais Compagnie des encore. Indes, les Hollandais encore, voilà, qui étaient très La compagnie présents des Indes. d'ailleurs sur cette côte. Ouais. Voilà. Et donc, c'est ainsi que Anno Asma, quand ils les ont repoussés, Anno Asma a demandé à un de ses chefs guerriers de trouver une zone de repli pour qu'en cas de réveil militaire, ils puissent s'y réfugier. C'est cette zone de repli-là qui va devenir le royaume sans vie de Kanyabo. Ça, oui. Et celui qui a été chargé de trouver cette zone de repli, lui-même, il était de la famille royale d'Anno Asma, il était de la famille royale, mais le roi, c'est Anno Asma. On l'appelle Amlamano. Mais Amlamano était vieux. Donc, celui qui jouait le rôle donc, de chef de l'avant-garde, c'était son neveu qu'on appelle Akaesson. C'est comme ça. Et c'est ainsi qu'ils ont trouvé cette zone de repli-là, qui est la région d'Abasso. Mais quand ils sont venus, ils ont trouvé des populations. La région n'était pas vide, non. Ils ont trouvé des populations dans la localité même d'Abasso. Où il y a les populations qui sont. Les autochtones d'Abasso, là, ils sont dans le quartier de Koliaïwa. Vous voyez? C'est ceux-là que, bon, Mme Henriette Dabaté a appelé Agouagoua, mais moi je les ai appelés Motiobo. Parce que leurs voisins Ewotile les appelaient Motiobo. Voilà. C'est comme ça. Leurs voisins Ewotile les appelaient Motiobo. C'est ceux-là, ils ont trouvé. Ils ont trouvé aussi ces mêmes Motiobo aussi à Ebakourou. Et puis ils ont trouvé aussi ces mêmes Motiobo à Aliékourou. Ils ont attaqué la région militairement. Ils ont vaincu les gens d'Aliékourou. Et puis aussi,
quand ils ont voulu attaquer Ebakro et puis Ebouesso, les autres Motiobo ont dit non, pardon, on a vu ce que vous avez fait à nos frères d'Aliekro. Nous, on se soumet à vous. Ce n'est pas la peine de nous faire la guerre. Donc, il y avait des populations qui étaient déjà là. Maintenant, il y avait certains sous-groupes Agni qui étaient déjà fatigués de la guerre, quelques groupuscules, notamment ceux-là qui étaient à Kotoka. Ceux-là, ce sont des Sawa. Ils sont le sous-groupe Sawa. Maintenant, il y avait aussi certains aussi, quelques familles qui sont du groupe Ayua qui sont installées à Kofi Kro. Voilà. Donc, tout cela, les Agni braffaient. Voilà, c'est les conquérants, là, on les appelait les braffaient. D'ailleurs, eux-mêmes, ils parlaient une variante de la langue Ashanti, de la langue qu'on appelle Ahakwane. Donc, eux-mêmes, ils ont changé de langue. Ils parlaient l'Ahakwane, qui est une variante de la langue Cui. Voilà. Parce que la langue Cui a beaucoup de variantes. Il y a l'Ashanti, il y a le Cui Akwapem, il y a le Cui Achem, etc. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont conquis la région. Et ils se sont imposés à toutes ces populations et ils ont créé leur royaume qu'ils ont appelé Sanvi. Sanvi, ça veut dire, d'ailleurs, c'est un terme qui est en Cui. Ça veut dire la guerre, les guerriers vivent au milieu. Donc, le roi dit qu'il est au centre de ses guerriers, il est au milieu de ses guerriers. Et effectivement, quand vous regardez la position de Krenjabo, c'est ça. Le roi au centre de ses guerriers. Il y a le chef de l'aile droite qui est à Yamé. Il y a le chef de l'avant-garde qui est à Souba. Vous voyez. Il y a les protecteurs du roi qui sont à Daou et puis qui sont à Ewesebo. Et puis maintenant, l'aile gauche de l'armée est dans Krenjabo même, dans le quartier de Yakassé. Voilà, c'est comme ça. Donc, chaque fois que ces Akan arrivent, ils trouvent des populations qui sont déjà installées, auxquelles ils s'imposent. Tout à fait. Et puis après, maintenant, ils ont fait la guerre au Betibe ou au Zowotile. Là, c'était en 1754 et puis ils les ont vaincus. Voilà, c'est comme ça, pour les intégrer au royaume. Et l'Indénié, les Agni de l'Indénié, par exemple, pour parler les un peu. Les Agni de l'Indénié, eux aussi, ils étaient en Ebrosa. Ils étaient en Ebrosa. Leur roi, leur premier roi qu'on appelle Aï Abaye. Parce que, quelquefois, les gens... Moi, j'ai compris une chose. Si tu veux faire l'histoire des Akan, que tu ne comprends pas la langue Cui, tu as des problèmes. Parce que la plupart des anciens, ils parlaient Cui. Et puis, souvent, les localités, là, ils leur donnaient des noms Cui. Par exemple, Assabou, là. Si tu cherches ça en Baoulé, tu ne vas pas trouver. Assabou, c'est Assa guerrier. C'est guerrier innombrable. Ils étaient nombreux. Donc, Aï Abaye faisait partie des chefs guerriers qui étaient en Ebrosa. D'ailleurs, quand il y a eu la trêve de 1716, en 1718, les Agni vont rompre la trêve du fait d'un chef guerrier qui était le généralissime de l'armée qu'on appelle Ebri Moro. Mais en Agni, c'est Abri Moro. Mais dans les documents hollandais, on l'appelle Ebri Moro. Ce sont ses descendants, ce sont ses parents qui ont créé le royaume Agni Bétier que vous voyez là. C'est son neveu qu'on appelle Adou Ayemou. C'est lui qui a créé le royaume Bétier. Mais Aï Abaye, il faisait partie des guerriers qui avaient mené l'expédition en Ashanti où ils ont fait 20 000 prisonniers Ashanti. Quand ils ont rompu la trêve signée en 1715 et qu'ils ont attaqué l'Ashanti en 1718, ils ont fait 20 000 prisonniers, des femmes et des enfants Ashanti. Pourquoi? Parce que les Ashanti étaient en guerre contre les Akem. Donc, leur région n'était pas protégée, leur pays n'était pas protégé. Et donc, quand en 1721, les Ashanti maintenant viennent massivement attaquer le Brossa, Nana Aï Abaye et puis son peuple, ils quittent le Brossa et puis ils viennent maintenant dans cette région-là qui va être la région d'Abangourou. Mais Abangourou, en tant que ville, a été créée au 19e siècle. Là, c'est tardif. C'est un membre de la famille royale qu'on appelle Mian Kadjo. C'est lui qui a créé Abangourou. D'ailleurs, le nom Abangourou, ce n'est pas en langue Agni, c'est en langue Cui. Ça vient de l'expression même pain courant. Même pain courant. Nana Mian Kadjo dit que lui n'aime pas les palabres. Donc, le sens d'Abangourou, c'est en Cui. C'est même pain courant. Je n'aime pas les palabres. Si c'était en Agni, on dit Mingro Boutroué. Mingro Boutroué. Vous voyez, donc c'est ça. La plupart des anciens comprenaient Cui. Et c'est ainsi que Aï Abaye donc a été le premier roi à créer justement le royaume Ndenia. Ndenia, ça veut dire quoi? Le roi dit Ndemenia, je suis assis et j'observe pour protéger mon royaume. Donc c'est ça. Voilà. Alors, professeur, on a d'autres groupes qui vont venir, tels que les Akan lagunaires, bon et Brié. Oui. Et puis même on a les Ayoukrou, on a les Abidji, ainsi de suite. Oui, comment est-ce qu'ils vont immigrer? Et même le peuple Atié et tout ça, pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas la même langue que les autres? Puisqu'on dit Akan, théoriquement ils devaient plus ou moins s'exprimer dans la même langue. Mais ils ont les mêmes cultures, souvent les mêmes noms, mais des langues différentes. À quelle époque est-ce que ces groupes, ils arrivent en Côte d'Ivoire?
quelle est la cause de leur migration, et puis comment s'intègrent-ils au royaume, et puis comment vivent-ils avec les autres qu'ils vont trouver sur place, ou si c'est les autres qui les ont trouvés sur place. Bon, je vais commencer d'abord par les Zakiers. Ouais. Il y a beaucoup à dire, vous savez, les Zakiers, leur région a été peuplée depuis le Paléolithique. Mais on ne sait pas quelles sont les populations qui étaient dans le pays Zakiers, notamment dans la région d'Anyama. Dans la région d'Anyama, il y a un petit ruisseau, enfin, je veux dire, une petite rivière qu'on appelle Bété. Ça n'a rien à voir avec le peuple Bété, mais la rivière est appelée Bété. C'est le long de cette rivière-là qu'on a prospecté au plan archéologique et on a trouvé des éléments de pierres anciennes ou bien de pierres polies, voilà, liées à ces périodes du paléolithique et du néolithique. Mais on ne sait pas quels sont les auteurs de cette culture lithique-là, c'est-à-dire cette culture de pierre. Donc, le pays Zakiers était très anciennement peuplé. Maintenant, il y a ceux qui ont participé à la migration Akpafu, Gakrobo, Adélé, Avatim, si vous avez parlé de ça, ce sont les Nkadjé. Tout à fait. Les Nkadjé, ils étaient là. Et c'est au XVIIe siècle et ils sont venus. Vous comprenez? Maintenant, vous avez des groupes Zakiers qui sont venus ensemble avec les Baoulé et les Agni. Et ça, c'est grâce aux traditions de Dadiesso, parce que ceux de Dadiesso qui ont créé une principauté sur les terres Agni et Brossa, ce sont des Ashanti auxquels le roi Opokouaré a demandé de créer, de rester là après la défaite des Agni pour les surveiller, pour qu'ils restent obéissants à l'autorité du roi des Ashanti, à la Santé-Henné. Et c'est comme ça qu'ils ont créé la localité de Dadiesso. D'ailleurs, c'est eux qui sont venus créer ensuite le royaume d'Agni-Blekro, les Souamra d'Agni-Blekro, les Djouablins d'Agni-Blekro. Voilà. Ce sont des Ashanti. Ils sont venus du royaume confédéré de Djouabène, à Santé-Djouabène. Voilà. C'est eux qui sont venus faire, faisaient partie des troupes qui sont venus faire la guerre aux Agni et aux Baoulé en 1721. Et puis, ils sont restés sur place pour suivre les Agni de Brossa pour qu'ils restent dociles à l'autorité du roi des Ashanti. Mais ceux-là, il y avait des Zakiers dans la zone. D'ailleurs, les traditions de Dadiesso le disent. Ils disent, nous avons trouvé des Baoulés dirigés par la reine Tanouadjo, et puis nous avons trouvé des Zakiers dirigés par le chef Obenaka. Et nous les avons chassés. Donc, il y a des Zakiers qui, eux, vont venir avec les Baoulés et les Agni. C'est ceux-là qui vont s'installer dans la région d'Azopé, dans la zone qu'on appelle le Quétin. C'est ceux-là. Quand ils sont arrivés dans la région, ils se sont d'abord rassemblés dans un bivouac de guerriers qu'ils ont appelé Yuasafou. Et puis maintenant, c'est à partir de Yuasafou qu'ils ont créé des villes comme Biasso, comme Azopé, etc. Ça a été comme ça. Comme Aferi, ça a été comme ça. Ils étaient ensemble avec les Baoulés et les Agni. D'ailleurs, les Agni de Djedje Manou ou bien d'Apompronou, ils ont dit qu'eux aussi, ils ont séjourné à Segui. Mais en fait, il veut parler de Yuasafou. Voilà. Parce que c'est toutes les localités de la région d'Azopé, c'est à partir du bivouac de Yuasafou que ces localités ont été créées. Donc, vous voyez. Donc, les Zakiers, eux aussi, ils sont le fruit de plusieurs peuples. Voilà. Les ancêtres ne sont pas tous les mêmes. Maintenant, les Zakiers de Bimpé, vous connaissez bien les Zakiers de Bimpé, eux, ils appartiennent à une autre région. Eux, ils sont venus du pays Zema. Voilà. Du pays des Apolloniens, là. C'est de là qu'ils viennent. Parce que les Nzema sont, disons, bon, depuis que en 1868, les Nzema ont commencé à s'installer le long de la lagune Ei pour créer les Tiapoum, Anjemi, etc. Mais déjà longtemps, au XVIIIe siècle, ces futurs Zakiers de Bimpé, ils ont séjourné le long de la lagune Abi. Ils ont séjourné en pays Ewotile. Les Ewotile les appellent Elangama. Les Ewotile les appellent Elangama. Mais c'est, disons, pratiquement vers la fin du XVIIe siècle que les Ewotile les en ont chassés avec l'aide des Essouma qui se sont finalement installés à Assini. Et puis, c'est ainsi que ceux-là sont venus créer Bimpé. Ouais. Donc, ceux-là, ils ont traversé le pays Nzema, le pays Ewotile, et puis sont venus créer Bimpé. Ce sont leurs parents qui sont les Ébriers Nokwa. Ce sont leurs parents qui sont les Ébriers Nokwa. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez la complexité. Les Alangama, qu'on appelle en pays hébreu Nokwa, ils sont venus du pays Zema. Ils ont séjourné en pays Ewotile ou Betibé. Et puis maintenant, ils sont venus créer Bimpé. Et puis maintenant, certains maintenant sont venus s'intégrer au peuple hébreu ou Tchama, où ils sont devenus le peuple hébreu Nokwa, où ils se sont installés à Nokwa Kouté,
à chose, comment on appelle ça, à Agmongondoumé, qu'on appelle ordinairement à Bobo-Doumé, et puis se sont installés à Elukato, Elukate, et puis se sont installés à Blokos, qui est à Nokwate. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc vous voyez toujours la complexité de la question du peuplement. La complexité de la question du peuplement. Donc c'est ça un peu le peuple haché. Donc c'est un peuple aussi avec différentes origines. Les Lépins, par exemple, qui sont installés dans la région de Memni, de Grand Lépé, de Petit Lépé. Et c'est aussi de la partie de Yuassafon qu'ils ont commencé à descendre. Et puis, ils vont finir par former le peuple Haché Lépin. Voilà. Donc, c'est comme ça. Professeur, et les Adjoukrou, un peuple qui est très guerrier. Voilà. Très guerrier. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Et puis, est-ce qu'ils ont eu à se battre pour s'installer? Est-ce qu'il y avait d'autres peuples qui étaient déjà là? Et sur les superficies qu'ils occupent actuellement. Et puis bon, on a aussi la partie un peu mystique. D'où est-ce qu'ils tiennent cela? Sont-ils venus avec ça du pays? Bon, on va dire de la Gold Coast, où c'est sur place qu'ils se sont initiés à ces pratiques-là. Il faut comprendre que une ethnie est le fruit de l'histoire. Je répète, une ethnie est le fruit de l'histoire. Les Odjoukou que vous voyez là, leurs ancêtres sont à moitié Akan et à moitié Kourou. Je répète, les Odjoukou, ils ont des ancêtres Akan et puis ils ont des ancêtres Kourou. En réalité, il y a des groupes au sein des Odjoukou qui ont les mêmes origines que les Aladjans. Vous voyez, ce sont ceux-là qui ont créé Akradjou. Ce sont ceux-là qui ont créé Akradjou. Maintenant, il y a ceux qui sont d'origine Kourou, mais qui venaient principalement du pays Dida. Parce que les Dida aussi sont des peuples Kourou qui ont pénétré l'espace Akan lagunaire. Par exemple, certains se sont installés en pays Aizi, en pays Avikam, et c'est ainsi que certains sont arrivés au Djoukou. Vous voyez, c'est comme ça. Par exemple, Kossou a été créé par, leurs ancêtres sont d'origine Dida. Pourtant, Akradio, eux, leurs ancêtres sont d'origine Aladjan Akan. Mais, en observant le peuple Odjoukou, maintenant il y a des lignages qui sont venus de toutes les régions environnantes pour s'intégrer au peuple Odjoukou. Donc vous avez des familles qui sont d'origine hébrée, par exemple la famille Djako est d'origine hébrée. Vous voyez? Vous avez aussi des groupes, par exemple, ce village-là, Orbaf. Ceux d'Orbaf, ils sont d'origine Mbato. Les ancêtres sont d'origine Mbato. Maintenant, vous avez aussi, quand il y a eu un affrontement dans la région de Tiassalé, entre ceux qui sont Ahali, descendants de la reine Tanwanjo, et puis ceux qui sont Ahua, qui se sont installés à Ahuanou, etc. Certains ont fui du fait de la guerre, ils sont venus s'installer en pays Adjoukou. Maintenant, vous avez des familles qui sont d'origine Avikam, vous avez des familles qui sont d'origine Aladjan. C'est tout ça là qui a formé le peuple Adjoukou. Maintenant, vous avez même des groupes qui sont d'origine Betibé, d'origine Ewotile. Notamment dans la région de Tupa, dans la zone de Tupa où vous avez une belle lagune, les Ewotilés se sont installés là. Cette zone-là, ils l'ont appelée Nglanglanti parce qu'il y avait là, le long de la lagune, des épines, des plantes qui avaient des épines. Et c'est comme ça que certains ont créé le village de Ngati. Donc ceux de Ngati, en pays Odjoukou, sont d'origine Betibé et Ewotilé. Donc vous voyez que si, quand vous observez le pays, le peuple Odjoukou, c'est tout ce mélange-là qui a donné le peuple Odjoukou. Des ancêtres d'origine Dida, des ancêtres d'origine Aladjan, des ancêtres d'origine Ebrié, des ancêtres d'origine Avikam, des ancêtres d'origine Ewotile, etc. Maintenant, le côté mystique, ça vient de leur culture qu'on appelle le Lor, qui est, disons, la culture des classes d'âge. Mais il faut savoir que la culture des classes d'âge, ce sont les Ewotile qui ont répandu ça le long de toute la lagune. Le long de tout le pourtour lagunaire, ce sont les Betibé et les Ewotile qui ont communiqué cette connaissance-là des classes d'âge, cette culture des classes d'âge. Et donc, cette culture des classes d'âge implique aussi du mysticisme. Parce que la guerre ne se fait pas seulement avec des armes. Je peux dire des armes létales comme des objets qu'on donne comme des couteaux, des lances, des fusils, etc. Mais ça se fait aussi au plan mystique. Ça se fait aussi au plan mystique. Voilà. Donc c'est pour ça que les Odjoukou, notamment quand ils font le rituel du long, il y a des plantes qu'on utilise
qu'on met dans les yeux pour qu'ils aient la double vue. Pour qu'ils aient la double vue. Voilà. Donc, c'est pour ça que, bon, on leur reconnaît, je peux dire, ces pouvoirs mystiques. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, tous les peuples que vous voyez là, les peuples Akan-Lagunais, sont le fruit d'un brassage. Si je prends les abeilles, je vais vous dire la même chose. Les abeilles aussi, c'est le fruit d'un brassage. Il y avait des groupes tels que les Yavo Djélé, les Oku Djélé, hein, qui, eux, se sont installés au XVIIe siècle. Souvent, ils disent qu'ils ont toujours été là, ils ne viennent de nulle part. Mais en fait, ils appartiennent aux migrations du XVIIe siècle dont j'ai parlé. Maintenant, vous avez les Brékogons, qui sont d'extraction éotilée. C'est certains qui se sont installés en pays ébrié, qu'on a appelé Brékogons, qui sont aujourd'hui à Cocody Village. Sinon, le nom, leur nom, c'est Bréké. Le nom Bréké, c'est le surnom du crocodile, en fait. Donc, un pays appelé de Brékogons, mais ce sont les mêmes éotilés. Et c'est eux qui ont enseigné, d'ailleurs, la connaissance des classes d'âge aux autres abeilles. Voilà. Maintenant, vous avez, à côté des Oku Djélé, des Yavo Djélé, vous avez les Ngadjé, qui appartiennent à cette migration du XVIIe siècle dont j'ai parlé, que j'ai appelé la migration Akpafou, Gakrobo, Adélé, Avatim. Les Ngadjé, ça veut dire les enfants des Ngan, ça veut dire c'est les populations d'Akral. Voilà. C'est de là que viennent les Ngadjé, qui font partie des du groupe. Maintenant, vous avez les Morier. Les Morier qui sont à Grand Morier, qui sont à Gouahin. Eux, ce sont des Agnis. Voilà. Ceux de Morier, les Morier, là, ce sont des Agnis. Ils le disent, ils disent, nos ancêtres parlaient Igbéchi. Nos ancêtres parlaient la langue Agnis. Donc, c'est tout ce mélange-là qui a donné le peuple Abé que vous voyez là. Donc, la plupart des groupes ethniques sont le fruit de l'histoire de brassage avec des ancêtres aux origines diverses. Voilà. C'est ça pour l'histoire le cas de migration. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur. Alou Kwame ou Kwame René Alou, voilà, c'est selon ce qui apparaît ici sur les livres que vous avez écrit sept livres que je vois ici, plus deux thèses, une thèse de doctorat déjà de troisième cycle et une autre thèse de doctorat d'État. Vous êtes professeur titulaire après avoir été maître de conférence et vous avez fait toute votre carrière. Environ 30 ans maintenant à l'université, plus de 30 ans, 34 ans d'ailleurs même, si on prend 1988, vous avez eu votre premier doctorat, à l'université Félix Fouette-Boigny. Vous avez écrit par exemple « Les Akans, peuple et civilisation ».« Peuple et civilisation » aux éditions Harmattan, « La bourgeoisie municipale d'Afrique romaine ». Bon, c'est un livre qui me paraît intéressant. On va sûrement refaire une autre émission pour le commenter, la bourgeoisie municipale d'Afrique romaine. C'est quoi l'Afrique romaine, professeur Yalou? C'est quoi l'Afrique romaine? On appelait ça Africa Proconsularis. C'est-à-dire quand les Romains ont conquis le nord de l'Afrique, les régions de Tunisie actuelle. Voilà, Tunisie actuelle. Carthage et autres. Carthage, voilà. Mais vous en savez beaucoup. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Avant Jésus-Christ. Les Romains vont les vaincre à la suite de ce qu'on appelait les guerres puniques. Parce que moi, j'ai fait une maîtrise en histoire ancienne et médiévale. Donc, je suis polyvalent, en fait. Et donc, quand les Romains ont conquis toutes ces zones-là, ils ont permis aux autochtones d'avoir des villes dans lesquelles ils avaient des municipalités. Vous voyez? Et c'était des municipalités qui, disons, obéissaient à l'autorité romaine. Depuis Rome, mais qui géraient la localité. Et c'était des autochtones qui étaient devenus donc des bourgeois. Ils sont devenus des bourgeois municipaux. Ils participaient à la vie telle que les Romains la voulaient, mais ils avaient aussi leur langue. Bien qu'ils parlaient latin et souvent même grec, ils avaient aussi leur langue locale. Voilà, l'islam n'était pas encore dans cette partie de l'Afrique. Elle n'était même pas encore née. Donc, pas du tout. Est-ce que c'était des Blancs a été étudié là-bas au 8e siècle. L'an 600, au 8e siècle. Voilà, ça dit l'an 700, ils vont naître en 600 et quelques, et c'est l'an 700 qu'ils vont s'étendre du côté de l'Afrique du Nord. Et il y a quand même quelque chose d'important. Il y a beaucoup qui disent les Akans, en réalité, ils viennent d'Israël. Peut-être que vous pouvez dire quelque chose là-dessus. On va revenir, on fera une autre émission pour mieux comprendre. On nous dit que les Akans viennent d'Israël. C'est les Akans, ce sont les descendants de Akan. Il y a même des peuples en Côte d'Ivoire qui disent qu'ils descendent des Juifs.
Bon, peut-être qu'ils ne sont pas à Caen, mais les Yacouba disent qu'ils défendent, ils descendent des Juifs. Il y a même des Juifs, des grands rabbins qui sont quittés en Israël pour venir comprendre la culture. Ce sont les rabbins qui font des études et qui décident si tel est d'une tribu perdue de l'ancien Israël. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant l'origine israélite des Akans? Est-ce que c'est vrai ou Bon. c'est une légende? On ne peut pas dire parce que quel est le groupe qui se réclame? Parce qu'ils ont, en fait, il y avait un homme qui s'appelle Akan, qui d'ailleurs a pris de l'or. Il a pris de l'or qui était interdit parce qu'il y avait ce qu'on appelait les choses vouées à destruction. Quand les Israélites, pardon, faisaient la guerre, quelquefois il leur était dit, pour tel peuple que vous aurez vaincu, il ne faut rien prendre chez eux. Il ne faut rien prendre chez eux. Donc c'est ce qu'on a appelé les campagnes vouées à destruction. Et il y a un certain Akan, lui, quand il a vu l'or de ce peuple qui a été vaincu, il a pris cet or-là. Et Moïse était tellement mécontent que Moïse a fait fondre cet or-là et Moïse elle est obligé à boire cet or, il est mort. Alors, puisqu'il s'appelle Akan, les gens ont dit, ah, donc il y a des Akans qui faisaient partie des peuples israélites. Ça, je ne peux pas affirmer cela. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les Falachas. Les Falachas, ils sont en Éthiopie. Et ils sont des Juifs. Ils ont conservé toutes les traditions, les rites et tout ça juif, les Falachas. Donc, il est clair qu'il y a des Israélites qui se sont installés en Afrique noire. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose. Les Hébreux, même, ils sont partis d'où? Ils sont partis du pays Kamite, de l'Égypte antique, qui était noir. Je voudrais saluer aussi la mémoire du professeur Kalala Omotunde. Et il y a beaucoup de travaux. Moi-même, dans mon ouvrage dont je parle là, je montre les liens culturels entre les anciens Égyptiens et puis les Akans. La Et à l'intérieur bourgeoisie des Hébreux, municipale d'Afrique. C'est ça, c'est dans voilà, cet là c'était à ouvrage? l'époque romaine. Voilà. D'accord. Là c'était à l'époque romaine. Non, là c'est dans la thèse Les peuples et civilisations, les Akans, peuples et civilisations. Voilà. C'est dans l'ouvrage Les Akans, Ah, peuples et oui. civilisations. Voilà, le premier livre, Les Akans, Voilà. peuple et civilisation, paru aux éditions. Voilà. Et donc, comme il y avait au sein des tribus d'Israël un groupe qu'on appelle la tribu Dan, par rapport aux Dan de Côte d'Ivoire, on a dit, ah, donc certains viennent, ils viennent d'Israël. Mais il faut faire très attention. Moi, je suis prudent. Je pense qu'il peut y avoir quelques familles qui se sont intégrées dans l'espace qui va devenir l'espace Dan. L'espace Dan, il y a eu des travaux d'archéologie, notamment de Madame Bio Bernardine Kouaou, qui parle des sites perchés, c'est-à-dire sur les montagnes, là. On a trouvé des restes de choses, de pierres qui datent du paléolithique, donc c'est ancien. Mais il se peut que des groupes d'origine Dan, en fait d'origine, c'est-à-dire du peuple Dan, donc lié à Israël, soient venus de ce côté-là. Parce que, je vais vous dire une chose, il y a un peuple qui est en Afrique du Sud qu'on appelle les Lemba. Ils sont en Afrique du Sud, en Afrique australe, les Lemba. Et ils disent que nous venons d'Israël. Nos ancêtres étaient des Israélites. Les gens n'y croyaient pas. Ils disent, mais ce n'est pas possible. Des gens noirs comme ça, avec plein de mélanine, quand le professeur Alou, ils disent qu'eux, ils sont d'origine israélite. Mais il y a un Anglais qui allait mener des enquêtes auprès des Lemba. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait faire des tests génétiques. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Les descendants de Aaron, ceux qui sont les Kohanim, c'est-à-dire que ceux qui sont les prêtres qui existaient là, qui exerçaient la prêtrise au sein des Israélites, ils ont un marqueur génétique qu'on appelle haplotype nodal. Ça s'appelle haplotype nodal. Et il a constaté que chez les Lemba, beaucoup de personnes ont ce marqueur génétique lié aux descendants de Aaron au sein des Lemba. Vous comprenez? C'est là qu'il a compris que effectivement, hein, ont de nombreux ancêtres qui étaient des Israélites. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose. Moi, je dis une chose simple. Parce que les Juifs aujourd'hui qui sont blancs, 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 mais il faut qu'on explique. Quand Jacob, et puis ses 12 fils, et puis ses serviteurs, ils étaient 70 personnes. Mais Joseph, lui, il était déjà en Égypte. Parce qu'il avait été vendu par ses frères. Et il était en Égypte. Mais quand ils vont en Israël, pardon, quand ils vont en Égypte, ils sont 70 personnes. Et ils ont fait 400 ans là-bas. Mais moi, je vous pose la question.
Est-ce que les 70 là, ils ont pratiqué seulement l'endogamie? Ils se sont mariés entre eux pour former près de 3 millions de personnes au moment où ils quittent l'Égypte pour aller au pays de Canaan? Non. Ils se sont mariés avec les Africains qui étaient là. Ils se sont mariés avec les Kamites, avec les Noirs qui étaient là. C'est comme ça. La femme même de Moïse, Moshe, on l'appelait comment? On l'appelle Séphora. Elle était noire. Elle était du peuple des Madianites. C'est son père qu'on appelle Jethro, qui était le prêtre du pays de Madian. D'ailleurs, c'est lui qui a dit à Moïse, mais toi, tu restes toute la journée pour régler les problèmes du peuple. Mais il faut désigner des anciens pour t'aider dans cette tâche. C'est comme ça que c'est Jethro qui lui a dit ça. C'est comme ça qu'il a pris 70 personnes au sein du peuple, c'est 70 anciens, qui l'aidaient à juger les affaires au sein du peuple. Donc, c'est un peuple métissé de noirs, et puis maintenant, les autres sont des sémites. Parce que ces peuples qui étaient au Moyen-Orient, les anciens Égyptiens les appelaient Amou, c'est-à-dire les errants, parce qu'ils étaient des nomades. Voilà, ils étaient des nomades. C'est ça que quand on a vu les racistes venir dire, oui, c'est eux, ou bien c'est les Caucasiens qui ont fait les pyramides. Mais est-ce que les nomades, ils font des maisons? Ils vivent sous des tentes. Maintenant, les ancêtres de ceux qu'on appelle les Blancs, les Caucasiens, que les anciens Égyptiens appelaient les Tamoutou, c'est-à-dire eux aussi, c'était des guerriers nomades. C'était des guerriers nomades. C'est comme ça. Mais tout cela, ils venaient en Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte était le grenier du monde. Ouais. L'Égypte était le grenier du monde. Grâce au Nil, mais il y avait à manger à profusion. Donc, quand eux qui errent dans le désert, quand la faim est trop dure, ils viennent en Égypte pour manger. Mais malheureusement, quelquefois, ils venaient piller. Suivez mon regard, les pillages, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et puis, ils continuent à faire ça. Voilà, donc c'est ça. D'ailleurs, ils venaient. Voilà. Et c'est pour ça que certains pharaons, bon, ils utilisent le terme de pharaon. Pharaon n'avait rien dit. Le vrai nom du roi de l'ancienne Égypte, on l'appelle le Nissout, c'est-à-dire celui qui vient du sud. Vous comprenez? Si on dit celui qui vient du sud, ça veut dire quoi? On comprend immédiatement que c'est un noir. Donc un on noir, évite de dire Nissout. Voilà, on dit pharaon. Or, pharaon, ça vient de permettre, ça dit la grande maison. Parce que chez les peuples d'Afrique, la maison royale, on appelle ça la grande maison. C'est comme ça. C'est comme même chez les amis. Quand on va à la cour, on dit, il y a quoi à Ouroukli? On va dans la grande cour. On va dans la grande cour. Donc, la maison du roi, c'est la grande maison. Mais lui-même, son titre là, c'est Nissout. C'est-à-dire celui qui vient du sud. C'est pour ça que dans l'Égypte antique, d'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Quand on les enterrait, on orientait leur tête vers le sud. Quand on les enterre là, on oriente leur tête vers le sud. Pour dire quoi? Ils retournent dans le pays de leurs ancêtres. Voilà. Parce que le peuple qui était à l'origine de la civilisation de l'Égypte antique, on l'appelait les Anou. Et puis après, maintenant, ils ont pris le nom de Kamites, c'est-à-dire les hommes parfaits. Voilà. Les hommes parfaits. Les hommes qui sont parfaits dans la perfectibilité. Dans la perfectibilité. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, je ne peux pas dire et affirmer que non, il n'y a pas des éléments au sein des dents de Côte d'Ivoire qui ne soient pas d'origine israélite. C'est possible, mais pas eux tous. On ne peut pas dire que tous leurs ancêtres sont israélites, non. Mais quelques-uns, c'est possible. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ouais. Merci beaucoup, professeur. Merci. Et il y a un autre livre que vous avez écrit, Les enseignements de Jésus-Christ dans ma vie. Bon, on aimerait oui. sûrement aussi commenter ça une autre fois. Les royaumes akans du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La Côte de l'Or, c'est-à-dire le Ghana du 15e siècle à 1734. Et je crois qu'on en a parlé, mais on va revenir plus en profondeur. Vous avez aussi écrit un autre livre, Les Zema, un peuple akan de Côte d'Ivoire et du Ghana. Vérité évangélique contre erreur ésotérique et les populations akan de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est les 7 livres que vous avez écrits. Nous allons nous retrouver encore, si vous le permettez, un autre jour pour en tout cas continuer à apprendre et voir, par exemple, quels sont les liens qui se sont créés entre les Akans qui arrivent et les autres peuples, les Mandés du Nord, les Mandés du Sud, et puis les autres même qui vont venir, c'est-à-dire les Européens. Bon, et vous avez parlé là de comptoirs au niveau de la Côte de l'Or actuelle, la Côte de l'Or, le Ghana actuel, pardon, et ces marchands-là vont aussi venir en Côte d'Ivoire, ils vont commercer avec ceux qui viennent s'y installer à partir de 1700,
1720-1730. Et en 1800, il y a d'autres explorations. 1893, la Côte d'Ivoire devient colonie. Et puis, bon, on va assister à tout ce qui va venir de dégradant, le travail forcé, voilà, les luttes pour l'indépendance. Et aujourd'hui, cette période de